Val zéro. Val zéro. Il dit val zéro. Tu prétends que tu es artiste. Tu es artiste. Tu prétends tous les jours que tu es artiste. À la Socinada, tu n'es pas inscrit. À la SACEM, tu n'es pas inscrit. Ta part d'artiste là, c'est quoi? Tu es arrivé que oh, je fais le Zénith. Tu confonds le concert du MLC et ta prestation au Zénith. Un concert qui était rempli seulement par les membres, écoute bien, hein, par les membres du MLC. Tu dis que oh, je suis artiste. Je suis artiste. Toi, tu peux être un artiste. Tu n'arrives même pas à remplir une salle à manger. C'est-à-dire que les gens disent qu'ils sont acquis. Toi-même, la salle à manger, tous tes concerts que tu prétendais dire que non, tu as des concerts, tous tes concerts ont été annulés. Parce qu'à un moment donné, courir derrière le MLC, peut-être tu t'es cru que non, tu étais un artiste important, tu es une merde. Tu es ce qu'on appelle l'incarnation de la lâcheté. Tes égos se battent au Cameroun, sont au Cameroun. Tu as fait quoi pour la jeunesse camerounaise? Tu incarnes le désespoir camerounais. Tu incarnes la malédiction camerounaise. Toi, en tant qu'artiste, tu as fait quoi? On voit les enfants arriver, disque d'or, disque d'or, disque d'or. On voit les enfants enchaîner les disques de platine. On voit les enfants qui ont révolutionné la musique camerounaise. Toi, tu as fait quoi? À part te pavaner dans les réseaux sociaux, tu as fait quoi de bon? Dis-moi ce que tu as fait de bon, Valzéro. Dis-moi une seule chose que tu as fait de bon étant au Cameroun. Oui, ah ouais, ouais, j'ai oublié. Dès qu'est-ce que tu étais au Cameroun? Une fois que tu es sorti de prison, tu courais. Tu courais, tu t'as grippé derrière une vieille femme blanche en laissant tes frères en prison. Mais quelle lâcheté, quelle lâcheté. C'est-à-dire que quand tu dis que non, je suis la meute des loups, quel loup? Tu es là, tu as dit que tu incarnes la meute des chiens errants, tu es un loup. Tu laisses tes collègues en prison incarcérés au Cameroun avec qui tu disais, tu prétendais défendre la même cause. Aujourd'hui, tu es où? À gripper derrière une vieille femme blanche pour entrer en Europe. Tu t'agrippes derrière une vieille femme blanche comme ça. Tu laisses tes amis en prison. Qu'est-ce que tu as fait pour la jeunesse camerounaise? Qui te connaît? Tu as fait quoi? Tu as posé quoi comme acte? Tu te lèves, tu prétends être quelque chose, la risée. Maman, quand on va fermer Facebook, tu as fait comment pour payer tes fins du mois? Quand on va fermer Facebook, tu as fait comment pour payer les fins du mois? Tous ces maudits qui viennent dire que oh, ne me comparez pas à Valzéro. Je ne ressemble pas à un lâche. Ne me comparez pas à un Valzéro. Je ne ressemble pas à un fidèle. Je ne ressemble pas à un leader des meutes de chiens errants. Maman, tu dis que tu as les loups. Ce n'est pas les loups que tu as, ce sont des chiens errants. On vous a vu pendant le hold-up. Valzéro, le hold-up est où? Valzéro, où sont les différents litiges que vous avez créés? Valzéro, partout on cite ton nom quelque part, il y a escroquerie. Partout vous entendez Valzéro, il y a escroquerie. Incapable de remplir une seule salle. Maman, comment d'abord pas remplir les salles à manger? Comment d'abord pas remplir? C'est-à-dire que même les bars du 18e et du 17e, tu n'arrives pas à remplir. Tu as trouvé refuge derrière des lunettes. Mon frère, ce sont des lâches qui parlent avec les lunettes fumées. Moi, quand je te parle, on voit mes yeux. Parce que t'es un lâche, t'as jamais été courageux. La seule fois qu'on t'a pris à Koundingui, jusqu'aujourd'hui tu es en train de courir. Jusqu'aujourd'hui tu es en train de courir. Aujourd'hui tu es devenu un exhumeur numérique. Aujourd'hui tu es devenu un exhumeur numérique. Tu profites de la mort de Martinez pour sortir un semblant de son. Un semblant de son. Tu es un exhumeur. Tu es un exhumeur. Personne n'a mangé dans la mort de Martinez comme toi. Aujourd'hui, il faut dire que grâce à la mort de Martinez, c'est-à-dire qu'on dit que vendeur de cadavres, Valzéro, tu es un vendeur de cadavres ambulant. C'est-à-dire que tu manges dans la mort de ce gars. Maintenant, tu sors le son. Voilà les chanteurs, voilà les chanteurs, l'émancipation. Voilà les chanteurs. Inspiration seulement quand ton frère meurt. Inspiration quand ton frère meurt. C'est-à-dire que incapable de respecter la dépouille. Incapable de respecter la dépouille d'un proche. Mensonge, je suis mensonge. Avec ton acolyte d'ami Jipon. C'est-à-dire que vous êtes entré dans l'incarnation du mensonge. L'autre manque à gauche, l'autre manque à droite. Les deux exhumeurs publics, toi et Jipon, vous n'avez pas honte. C'est-à-dire que l'inspiration des lives était finie. L'inspiration pour écrire était finie. Il fallait attendre que non, que Martinez meurt pour que... Valzéro réussisse à avoir l'inspiration pour pondre quelque chose et tu vas mourir au bout de deux semaines. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, parasite. Tu n'as pas honte, Valzéro. Quand je cherche là où tu as fait concert, je ne vois pas. Tu es inscrit à la SACEM, tu es inscrit où? Dis-moi un peu. Dis-nous quelque chose que tu. Dis que on t'invite quelque part. Nulle part. Nulle part. Tu te caches derrière TikTok, Facebook, Insta pour payer tes fins du mois. Le jour où il n'y aura plus les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu vas faire? On me compare avec une merde comme toi. Non, gars, je suis agriculteur fier de l'aide. Moi, mes combats, c'est au Cameroun. Sur place, je ne critique pas le Cameroun quand je suis à l'intérieur. J'arrive au milieu, en plein Cameroun, pour critiquer, mal parler du Cameroun. Valzéro, tu es une merde. Tu es une merde. C'est-à-dire que de fois quand tu parles, je reste comme ça, je me dis ça c'est le fiasco. C'est-à-dire que le désespoir camerounais se lit dans tes yeux. Tu n'as pas eu le courage de retrousser tes manches et de te battre au Cameroun. Tous les milliardaires, Valzéro, écoute bien ceci. Tous les milliardaires camerounais se sont faits au Cameroun. Aucun milliardaire camerounais ne s'est fait à l'étranger. Donc quand tu arrives là, oh je suis la meute, mon frère, le leader de telle meute. L'idée de chien errant. C'est-à-dire que quand on va dire qu'on a fait le zénith, toi aussi tu vas te lever. Oh, Valzéro a fait le zénith. Tu as fait quel zénith? Les gens sont venus pour Richard Bouna. Les gens sont venus passer ses camps.
Les gens ont dit qu'à un moment donné, la meute extrémiste tribaliste MS t'a fait croire que tu étais un leader. Tu es leader de quoi? Tu es leader de quoi? Quand on regarde d'abord le contenu de tout ce que tu peux dire, c'est-à-dire que je reste comme ça. Que je me demande, maman. Hey, c'est tout le travail que tu as trouvé en France. Chanter t'a dépassé. Maintenant, tu entres dans la calomnie. Toi qui peux te calomnier. Toi, par zéro, dis-moi qui peut te calomnier. On te calomnie que tu as d'abord quoi? Tu n'as jamais fait le concert en Ben. Le concert du MS, c'est que tu t'es accaparé. C'est-à-dire qu'on t'a mis comme une mauviette. On t'a mis comme un pion. Pose-toi là devant pour fermer le concert. On parle de concert. Je te rappelle une chose. Pour ta mendicité, j'avais pris 10 billets. Juste pour monter. Fallait voir ce qu'il y a au concert. Au concert que tu avais fait. Meeting du MS, c'est 2000 personnes. Jusqu'à ce que tu te présentes là-bas. Mon frère, tout le monde attendait Richard Bouna. Le seul chanteur qu'on attendait pas là-bas, c'était toi. Valzero, le seul chanteur qu'on attendait pas là-bas, c'était toi. Mais on a profité du fait que non, il faut qu'on mette un mougou devant. Voilà pourquoi on t'a mis devant. Il faut qu'on mette un mougou. Le mougou qu'on a mis devant, c'est qui? C'est Valzero. On a pris Valzero. On a dit Valzero, tu es zéro, tu es rien, une merde. Tes égaux viennent, disque d'or au Cameroun, ils font une tournée. Quand est-ce que tu as fait une tournée? Dis-moi, tu es invité où là? Je ne sais pas, tu es invité où là? Dis-moi un peu. Non, ton prochain concert, je sais où ça va se passer. Ton prochain concert sera au cimetière de Yaoundé. Parce que maintenant que tu as sorti un son sur la mort de Martinez, tu n'as pas honte, Adama. Tu attends que quelqu'un meure pour que toi tu puisses sortir un son. Quel parasite. Maman, tu es. Quand il te regarde comme ça, jusqu'à quand on va venir me comparer. Amer Kamel, le patriote alpha. Amer Kamel, le fils de la nation. Quand on va venir me regarder comme ça, on me dit qu'on va te comparer avec une merde comme Balzero. T'as fait quoi pour le Cameroun? Rien. Ce que tu chantes, on ne voit pas. Pour que tu aies plus de vues, il faut que tu parles d'Amer Kamel. Pour que tu aies plus de vues, il faut que tu parles d'Amoukbenga. Pour que tu aies plus de vues, il faut que tu parles des gens du gouvernement. Est-ce que tu n'as pas une inspiration personnelle? Tu n'as pas dit que tu es artiste. Tu n'as pas dit que tu es artiste. Attends, je cherche. Il est où ce gars? Oui, s'il vous plaît, je cherche un artiste Valzero, hein? Valky, ah non, on ne connaît pas ici. Tu ne commences jamais de concert. Mais je n'ai jamais vu même dans un pelé. C'est-à-dire que même dans un pelé, c'est en Bengui, un petit pelé. Là-bas, on peut inviter un artiste, on ne t'a jamais invité. Les soirées camerounaises des associations, on ne t'a jamais invité. Les baptêmes, on ne t'a jamais invité. Faire un concert dans une salle à manger de 20 personnes, tu n'as jamais fait. Maman, dis merci. Grâce à Facebook, au moins tu as un peu d'argent. Continue à exhumer. Continue à exhumer le corps de Martinez. Continue à exhumer le corps de Martinez. Le premier artiste exhumeur numérique, Valzero. Voilà, tu n'as pas de fonds de commerce. Maman, dans 2 mois, tu vas parler de quoi? Dans 2 mois, tu vas parler de quoi? Artiste en panne d'inspiration. Un artiste, il faut attendre que les gens meurent pour que lui vienne chanter. Maman, tu es devenu artiste de deuil. Tu es devenu artiste de veillée. C'est-à-dire que tu n'as pas d'inspiration. Même dans la chine du deuil. Et mieux. Je suis artiste. Oh, artiste, vous appelez comment? Je suis artiste. Les gens vont dire qu'ils sont artistes. Toi aussi, tu vas t'élever. Tu vas dire que tu es artiste. Un gars qui a laissé ses propres frères Koundingi, il a fui derrière les épaules d'une vieille femme blanche pour venir en Europe. Les gens vont dire qu'ils sont artistes. Toi aussi, tu vas te lever, tu vas dire que tu es artiste. Adama, tu n'as pas honte. Petit frère, je ne te prononce pas. Je ne te prononce pas. Parce que je regarde ce que tu as fait au Cameroun, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je suis Amer Kamel, le fils de la nation, agriculteur pur et dur, le patriote alpha. C'est-à-dire qu'on dit, voilà les gars qui représentent le Cameroun dans la diaspora camerounaise. Je n'ai pas besoin de Facebook pour vivre. Non, j'ai mes chats. J'ai mon chat de manioc. Je n'ai pas besoin de Facebook pour vivre. J'ai mon chat de plantain, tu as compris? Exhumeur numérique.